Et lentement tendu devant. Devant. Et on ferme. Une voix masculine enseigne la danse classique à Malraix. Depuis le début de l'année, Benoît Favre forme les jeunes danseuses. Le trentenaire a une longue expérience internationale derrière lui, du ballet national finlandais à la Corée du Sud, qu'il met aujourd'hui au profit de l'école de danse Inès Meri Bertaiola. Pendant la pandémie, il a choisi de mettre sa carrière de danseur professionnel de côté pour se consacrer à l'enseignement. Je me suis complètement remis en question et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vraiment besoin de cette pression de vivre comme ça et que je préférais plutôt... Je suis quelqu'un qui préfère être derrière la scène plutôt que devant. Une opportunité pour la directrice de l'école. Il sort de la scène, il a encore beaucoup d'idées complètement différentes d'un vieux pédagogue. Et oui, il a beaucoup de fraîcheur dans sa manière d'enseigner. Il a beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition. Avec Benoît, c'est plus, y a plus d'exercices et puis il sort vraiment bien, ce Benoît. Des exercices, mais aussi un joli parcours professionnel. J'ai la chance d'avoir eu quand même quelques années de carrière professionnelle et je peux amener cette expérience et puis en parler. C'est aussi inspirant pour les élèves d'entendre un peu comment ça se passe dans les vraies compagnies, comment travaillent les danseurs professionnels. C'est intéressant pour eux aussi et c'est inspirant, quoi. Et peu importe l'âge, Benoît Favre enseigne aussi aux tout jeunes. Il paraît qu'il faut commencer tôt pour briller haut. Bien devant.